Hey hey hey, salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode des enfants parfaits slash ados parfaits. On avait quitté notre petite Lilith qui adore stagner devant le lit en se disant « Ouh là là, j'ai mal au dos, j'ai besoin d'aller aux toilettes, j'ai un gros bidon, je veux accoucher quoi !» Parce qu'elle avait fait des petites crapulades avec Papa John. Oh Papa John, il va... Oh Papa John, il va vieillir, il va devenir adulte. Et nous retrouvons évidemment toute notre petite marmaille ex-bambin, ex-enfant, maintenant devenue adolescent. Et nous devons toujours maximiser... Oh là 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 là. Parce que je vois qu'il n'y a que ça, mais finesse, ça va être tellement dur des résolutions de conflit, je n'y arriverai pas. Alors, on est toujours en train d'essayer de les maximiser au niveau des compétences, des qualités personnelles. Et tant que j'y pense, dis donc moi. Et puis qu'ils sont en train de dormir et que j'avais viré toutes les conneries de jouets, on a 5000 simflous, donc on va pas aller très très loin. Mais je vais rendre leur maison, leur petite chambrette un peu plus jolie, un peu plus adolescente. C'est vrai que j'avais dit que j'allais mettre les garçons dans la même chambre et séparer les filles. Et bien dans ce cas-là, je vais peut-être pas le faire quand vous êtes là, je vais le faire ça rapidement. Je vous retrouve quand c'est fait, je vais prendre mon temps, ça va être... Voilà. Bon après ce sera pas non plus des trucs extraordinaires, hein. Je vais changer je pense le papier peint, les rideaux, la moquette comme ça et de compagnie. Et faire des petits nids douillets dans chaque chambre pour ces petits monstres. Je vous retrouve après. Voilà, j'ai changé un petit peu la maison. Donc c'est vraiment pas grand chose, hein. Vraiment, faut pas... Voilà, c'est pas énorme. Attendez, hop, tac, tac. Donc, j'ai fait un peu plus ton bleu pour les garçons, voilà, avec un petit bureau. Il n'y avait pas assez de place pour grand chose, j'ai mis une guitare. Comment dire, j'ai mis du parquet dans toutes les chambres. J'ai viré la moquette, sauf chez Papa John. J'ai mis le petit baby-foot dans la chambre des filles, parce qu'il n'y avait pas trop de place. J'ai mis un petit tapis rose, j'ai vraiment mis plutôt des couleurs un peu... Un peu rose tout ça pour les filles, un peu bleu pour les garçons, c'est cliché, j'en conviens. Le petit tapis, la table d'échecs, ça peut être bien pour les cours, pour qu'ils soient concentrés. J'ai quand même mis du coup des trucs un peu gris-bleu. Voilà. Donc forcément, Paul, il ne dormira plus dans ce lit-là, parce que c'est pas possible. Et lui, il a besoin de contrôler ses émotions. Ouh là là, Paul, ça va pas du tout. Effectivement, tu peux aller te doucher. Ah ouais, là, ça va plus. 5h du matin, mon beau, tu as encore pas mal de choses à faire, je pense. On va te laisser un peu te doucher rapidement. Avant que tout le monde se lève, parce qu'après, ça va être sportif. Je te mets après à aller aux toilettes. Tu mangeras un peu aussi et tu regarderas un peu la taloche. Tu vas regarder un film, voilà. Tu fais ce que tu veux de ta vie, tu regardes un film, tout va bien. Elle est quand même un peu flippante, Lilith, hein, de rester comme ça devant le lit à regarder son mec dormir. D'ailleurs, lui, il a besoin de l'eau de toilette. Va aux toilettes, allez. Oh, mais chérie, tu es encore là? Mais va dormir! Je ne dors pas la nuit, je suis une vampire. Bah, fais quelque chose, fais autre chose de constructif, alors. Elle est tellement, tellement flippante. Il va faire un petit bisou, hop, et puis tu vas retourner te coucher. C'est pas à l'heure, hein? Oui, je sais, t'as faim, mais t'iras pas te coucher tout de suite. T'as le temps. Alors, je t'interdis d'aller te laver les mains. On n'a pas que ça à faire. Voilà, c'est bien, merci. Oh, mais elle a pris du bidon d'un coup, hein? Elle a grave pris du bidon. Tu veux toucher? Ah oui? Waouh! Oh, c'est cool, ça bouge tout seul à l'intérieur! Oh, c'est mignon, ils sont amoureux. Bon, arrête de faire des mamours, John, va dormir. Va dormir, allez, laisse-la, c'est elle qui fait son dire. Ah! Bah, tout le monde est levé quand même, alors j'ai même pas fait attention, dis donc, j'étais dans mon truc, moi. Va manger, toi, ouais, va manger. Toi, c'est bien. Non, qu'est-ce que tu fais? Tu dois aller aux toilettes. Louise, oui. Oh là là, tu vas aux toilettes, tu vas prendre une douche. Et on est bien. On est mardi, donc il y a école.
Tu vas prendre un bain de mousse pour t'amuser. J'ai mis aussi les petits trucs de fléchette ici, vous voyez, pour qu'ils puissent remonter le moral tous les uns les autres. Alors toi, tu manges, je te laisse manger, mais après, il faudra que tu ailles aux toilettes, enfin une douche plutôt. Tu vas prendre une douche et tu vas aller aux toilettes. Et toi? Tiens, toi, tu vas nettoyer. Ouais. Touk, touk. Et ça en fait du monde hein, qui va aller en cours. Oh là, toi, pareil. Viens manger et te divertir. Elle va aller se laver, c'est bon, Nicolas. Tu peux aller aux toilettes, s'il te plaît. Et viens manger. J'ai dû les faire coucher tard la dernière fois, je me souviens pas spécialement. Oula, la violence, Charlotte. C'est pas comme ça que ça se passe ici, hein. Parce que tout le monde va bien. Et hop, elle refait. Ça augmente ses manières. Mais va à la toilette et va pisser. Au moins, ça, c'est fait. Toi, c'est bien, tu vas venir manger. Elle s'amuse dans son bain. Toi, tu vas aller aux toilettes, c'est parfait. Ah! Ok. C'est pas grave, on a d'autres toilettes, tu sais, Cécile. Oui, on a d'autres toilettes, je te rassure. On a d'autres toilettes. Tu vas pas te faire dessus. On a vraiment un look. J'adore son look. Toi, t'es gênée. Tu vas pas prendre un bain, non? Non, non, tu vas pas prendre un bain, cocotte. Ah, oh, putain! Va réparer ça et tu vas prendre une douche. C'est le bordel! C'est le bordel! Qu'est-ce que tu fais, toi? Non? Oui? Non, va en cours, t'as raison. Oh là là! C'est le bordel complet. Et on a tout le monde qui va à l'école. Regardez-moi ça! Petit défilé. Ah! Louise, elle a mis son autre tenue avec ses petites tresses. Sympa. Bravo Louise, machin. Elle est en train de réparer. La belle Cécile va aussi à l'école. Alors, ils vont réviser. Ceux qui sont bien, ils vont réviser. Toi, tu vas réviser. Toi, tu vas faire le minimum. Toi, tu vas réviser. Et toi, ça va pas. Tu vas le faire le minimum aussi. Il reste que Aurélie. Aurélie, bah, tu vas pas aller prendre de douche. Hein, parce que là, le temps que tu répares ça... Hop, allez, tu peux y aller. Voilà! Et il n'y a que Papa John qui va se réveiller parce que il doit manger. Quoi? Il n'y a plus rien à manger. Ok, bah tu vas préparer le petit déjeuner. Servir le petit déjeuner. La brouillade. Allez. Ah, ça y est, il y en a une qui nous a dégueulassé le... D'accord. Bah écoute, on va t'inviter Lilith à aller rester chez toi pour dégueuler comme de tout ton saoul si tu veux. Ah ouais, c'est vrai qu'on avait perdu pas mal d'abonnés la dernière fois. Ils travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Ça pourrait être bien. On pourrait améliorer quelques skills. Attends, on va remettre là. On va se faire des sous, on va mettre ça à la poubelle. Hein, parce que la vaisselle, c'est bien gentil, mais l'argent aussi, c'est mieux, je dirais même, parce que... et puis voilà, exposer dans toute la classe, tout donné. Gain de performance moyen. C'est très bien. C'est toi qui faisais le minimum, bah tu vas réviser assidûment maintenant. Toi... T'es aussi au minimum. Toi, du coup, tu vas faire le minimum aussi parce que tu as vraiment, ça va pas du tout. Papa John. Oh, dans la moyenne, travailler davantage. Et là, je suis sur c'est éducation. Piratage informatique. C'est qui? Ça concerne Philippe. Diminue l'empathie, diminue la responsabilité, diminue la résolution de conflit. Augmente la résolution de conflit. Ok. C'est pas grave, nous on y va. Et compatible avec l'obtention de traits de caractère médiateur. Mais c'est génial. Par contre, il n'est plus compatible avec le trait de caractère responsable. C'est pas grave, puisque... Oh putain. Les ignorer. Puisque de toute façon, tout ce qui est responsabilité... Oh, c'est insupportable. Tout ce qui est responsabilité, ça va avec les devoirs et le fait d'aller à l'école. Donc, il va faire ses devoirs ce soir et il sera de nouveau responsable. Donc, c'est pas un souci.
On va tout donner encore une fois, allez. Punaise, mais c'est sérieux? Ça n'arrête pas. Sandwich aux toilettes, c'est Cécile. Alors, pareil, on va lui augmenter... Contrôle des émotions, les manières et l'empathie. Ah, j'ai pas envie de diminuer l'empathie, c'était un peu compliqué déjà. Augmente l'empathie, diminue les manières. Une grosse fin, on ne peut pas attendre. Voilà. Bien élevé. N'est plus... non, elle les a plus, le bien élevé. Ouais, non, mais c'est pas grave, je lui ferai faire la vaisselle, lui faire des compliments, et c'est basta. Ce qui va être le plus compliqué à monter, de toute façon, c'est la résolution de conflits. C'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à concevoir. Essayer de dire pardon, mais quand c'est enfant, après, quand ils sont ados, c'est un peu plus compliqué, quand même. Hein. Tiens, tu vas mieux, tu vas réviser... Ah bah non, tu vas pas mieux, tu vas faire le minimum. La convention geek. Ah, mais arrêtez, travaillez davantage. Gain de performance. Super. Vous me laissez tranquille. Je vais mettre sur pause parce que là, pff, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah tiens, mon voisin a envoyé un SMS. Qu'on a déjà battu la convention geek. Mais on pourrait y aller à la convention geek pour John. Hein. On va y aller. On va y aller et on va faire travailler pour son boulot. Parce que c'est pas grave, c'est mon téléphone qui vient de tomber. Et je vous rassure, il va très bien. Et il est encore en un seul morceau. Et ouais, et on va travailler sa convention, enfin son truc, son profil et tout ça pour son boulot, ça pourrait être pas mal. Il me semble en plus que je n'ai jamais été à la convention geek, donc why not. Alors on va se présenter, ah bah non, tu connais déjà. Tu vas complimenter. Tu vas complimenter la tenue. Et c'est qui ça? On s'en fout. Convention geek, les enfants. Il faut un PC, bien sûr. Tous les PC sont pris. Il faut couvrir quoi, là? Ah, c'est là, une fusée? Oh, bon, non. Ça, c'est bien. Blick bloc. Oh, il y a de la musique? Elle vient d'où, la musique? Ah, de là. Sympa. Donc un petit peu de convention geek pour John. Il a besoin de... Ah, ah, il y a un PC qui est libre. Il y a un PC qui est libre. Ah bah non. Ah si, il y en a un. Tu vas mettre à jour ton réseau social. Et tu vas prendre un selfie aussi. Arrête de discuter, c'est bon. Tu vas tout de suite sur le PC. Crier depuis Planète Pop Miel. Ouais, vas-y. Je sais pas trop ce que c'est, mais bon. Je sais pas. Une photo. Prendre un selfie. Voilà, c'est ça. John. Dis-nous ce que c'est de te crier depuis la planète Pop Miel. Parce que là. Kenad. Yibs Kenad. Il peut pas faire un truc en rapport avec l'événement auquel il est. 15 abonnés. Bon, parce que les fulminations, j'ai peur maintenant parce que c'est pas... Ah bah super le selfie, dis donc. Oh la hache. Ah, c'est dommage. On peut pas zoomer plus ou moins. Là, même... Ah bah tiens, avec Dark Vador. Voilà. Je pourrais dire qu'il partage une photo... Il va partager des blagues parce qu'il est joueur et après il va partager une photo sur son réseau social. Donc c'est quoi le but? Jouer à des jeux sur le tapis de jeu. D'accord. Ben, il va faire ça. Il y a quelqu'un qui fait... Ah, c'est ça, ça prend toute la place. Il y a quelqu'un qui a voulu construire la... tu vas jouer... Jeu du test suprême, allez. Allez aux ordinateurs pour tester vos compétences en programmation lors du piraton. Mais oui, mais alors, il demande de faire plein de choses. Moi, je sais pas, hein. Au bout d'un moment, il y est, donc on va le faire. Participer au piraton. Peut-être qu'il va gagner. Qu'il va avoir la renommée. Qui es-tu? Dominique Farios. La musique est assez sympathique, je dois l'avouer. Meilleure photo de tous les temps. Waouh, vos abonnés ont hâte de découvrir la prochaine. John a obtenu 25 abonnés. Ah merde, il avait jamais fait de programmation. Bah oui, c'est vrai, je confonds moi. C'est pas la programmation qu'il fait.
Hey, on est quand même presque à 2800 abonnés, hein. C'est ouf, mais il a pas pris que 25 abonnés. Si. John a obtenu 150 abonnés en comparant l'économie mondiale à une meule de fromage. Bonne blague. Et John n'est pas obligé de dire qu'elle vient d'un livre pour enfants. Oh là. Franchement. Bon, en tout cas, il... John a obtenu 1500 abonnés. Ah, mais c'est quand il a crié la planète Pomiel, là. Mais c'est cool, ça. C'est super cool. Appeler son animal, faire du bénévolat. Crier depuis planète Pomiel. Bah écoutez, on va refaire ça. Ah, il y en a, ça va pas. Ils vont faire le minimum. Faut pas oublier que c'est nos enfants, un peu les stars du truc. Donc, et maintenant, elle est mal à l'aise. Ouais, tu vas te faire des amis même si tu pues. C'est pas grave. Toi, t'es joueuse. Tu vas réviser. Elle va toujours pas bien. Ah, vous cassez les noix hein, quand même, les enfants là. Allez, John, le piraton. Est-ce que piraton, piraton pas, telle est la question. Niveau supérieur, compétence niveau 2. Je suis pas sûre qu'il gagne. En même temps, il n'y a pas trop de monde. Elle joue à Big Block. Hein. Attendez, j'ai pas eu le temps. John a terminé le piraton avec un score de 12%. Nous annoncerons le nom du vainqueur à la fin du festival. Tous les vainqueurs doivent être présents pour recevoir leur prix. Ouais, mais nous on a nos enfants qui rentrent à 15h. Hein, donc. Et après tu vas pouvoir jouer. Non, oh là là, je vais y arriver. Jeu de test suprême. A obtenu 1500 abonnés. Il a désormais 4200. Oh, c'est génial. Mais vas-y, connasse, tu nous prends notre tapis là. Allez. Va faire le test du le test du jeu suprême. Ah mais non, mais John! Putain. Viens ici. Voilà, tu vas le faire. Parce que là, il y en a marre que tout le monde te pique la place. Hein. Allez. Oula, qu'est-ce que c'est? C'est très bizarre. On est dans une grotte, après on est avec des aliens. Les autres, tout le monde joue à Big Block, mais nous, ouais. Nous non. Ah, et puis c'est cool, on va avoir une promotion. Enfin, ou pas, parce que on est... Je vais faire encore une fois la planète Pop Miel, et je pense que... En fait, c'est ça, c'est dès qu'il bouge, faut qu'il mette qu'il est là, et... Il gagne des abonnés, peut-être. Je sais pas trop. Je sais pas trop comment ça fonctionne. On va tester. Hein. Alors, John a échoué au test du jeu de suprême. Le score minimum... Ah, mais laissez-moi le temps de lire. Le score minimum pour réussir des 70 ou 6 scores, quota 30. Score refuge 6 sur 20, Big Block 9 sur 30. Ouais, d'accord. Bah, c'est nul. Tu es nul, Richard. John. Pff. Alors, il va s'acheter le petit t-shirt de la convention geek. Voilà. Ah bah ça va, il est bleu ton t-shirt. Est-ce qu'on peut faire acheter une babiole? Acheter une babiole. Le piraton est terminé. Alors, ah oui, et puis tous les gosses sont retournés à la maison. B, ok. Et John, bah puisque quand même là, on est avec John, de toute façon après il rentre. Le piraton est terminé, le premier prix revient à John! Avec un score de 12 sur 100. Récompense pour la première place du classement ordinateur immersif. Oh oui, récompense pour la deuxième place 500 et 250. Waouh! On va avoir des pèses! Alors, on va acheter quoi? Un truc de la convention geek, bouteille de bulle. On s'en fiche. C'est tout! Le tourniquet, on va prendre un tourniquet, voilà. Voilà, maintenant on va rentrer à la maison. On va passer rapidement dire qu'on est à Planète Pop Miel, là encore. Voilà. Et puis on rentre. Comme ça. Oh, dans 54 minutes. Oh putain, il y a quelqu'un qui a décollé avec la fusée. Il a encore 1500 abonnés. Punaise. C'est cool. Tu peux aller voir ton réseau social et... Mettre à jour, juste. Juste mettre à jour. Après, on va faire les enfants parce que...
Il faut que le truc finisse. Abonnés, ça c'est good. Est-ce que du coup on peut pas demander prendre un selfie avec un cosplayer? Mais tellement, allez, n'allez pas dans les rideaux cette fois-ci. C'est l'happy hour au karaoké, d'accord. Et eh ben non, on rentre à la maison. Allez, on y go, on rentre. Marcus Flex. Non, on rentre à la maison juste tout seul. Allez, boum, on commence déjà avec un conseil. Mais qui suis-je? Je ne sais pas ce que je veux faire plus tard. Et tous mes amis ont l'air d'avoir déjà trouvé ce qu'ils veulent faire. Comment je fais pour savoir? Alors, on va surtout augmenter le contrôle des émotions, l'empathie ou la responsabilité. Alors, diminue l'empathie. Non. Responsabilité, augmente l'empathie, diminue... Bah ça... Voilà, il n'est plus au caractère responsable, mais on s'en fout. John, tu es très très bien dans ton corps, c'est parfait. C'est Charlotte, tu vas... Non, je comprends que tu... Alors, on va faire un truc. Qui a besoin de divertissement? 1, 2, 3 et 4. Toi, ça va. 4, alors, tu vas faire un... Jouer avec. Paul, Charlotte. Et Nicolas. Voilà, allez Zou, vous allez faire tout de suite un petit baby foot, s'il vous plaît. Voilà, ça va vous détendre le slip. Elle est en train de faire le ménage, tout va bien. Allez, go les filles. Elle est en train de faire un simder, tout va bien. Papa. L'école, c'est nul. L'école, c'est nul. Je devrais pouvoir commencer à travailler ou à mener ma vie. Est-ce que je peux arrêter l'école pour toujours? Non. Alors, on va augmenter le contrôle des émotions. Ne grandis pas trop vite. Allez. C'est moins important. Toi, tu vas mettre à jour ton réseau social. Non, tu vas... Ah, t'as déjà perdu une photo. Tu vas mettre à jour ton réseau social. Du coup, il peut pas crier qu'il est... D'accord, non mais... Dès qu'en fait, il faudrait qu'on aille un peu plus souvent sur... sur les autres... comment on dit? Ah, terrain communautaire, pour que John puisse avoir des... Des abonnés en plus. Alors, c'est... Je pensais que c'est garçon contre garçon... Enfin, garçon-fille contre garçon-fille. Allez, vous jouez les... Moi aussi, quand j'étais jeune, j'avais un baby-foot à la maison. Et c'était trop cool. On s'amusait plutôt pas mal. Il a vécu plusieurs années avant de céder. Ah non, toi, t'as ta propre douche, tu sais. J'ai pas lu, du coup. Oui, ça, c'est mes photos. Il a gagné 25 abonnés, ça fait 5849. Bon, on en est à la moitié, faut pas merder. Il faut vraiment pas merder pour gagner les abonnés manquants. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Nous avons donc Cécile. Cécile, elle est plutôt en bonne forme. Elle a que la résolution de conflit. Tu vas illuminer la journée et tu vas le complimenter. Ça, au moins, c'est fait. On a Aurélie. Aurélie, elle a contre les émotions et résolution de conflit à monter. Tu vas complimenter aussi. Et tu vas illuminer la journée. Et Philippe? Lui, c'est les manières et contrôle des émotions. Tu vas complimenter. Complimenter. C'est mignon. Faites-vous des amours, des câlins, des trucs. Et puis après, ce sera devoir. On va lèche. Hop! Compétence charisme débloquée. Voilà, ça augmente les manières, tout ça. Après, je suis pas sûre qu'il puisse s'asseoir au bureau.
Mais bon, je lui fais un bureau. Ah, avec la brouillade, je vais peut-être la mettre au frigo. Papa, il fait quoi? Oui, c'est vrai qu'il prend sa douche. Mais après, t'iras aux toilettes. Eux, ils s'amusent toujours. Ah, bah, il y en a qui ont l'air de gagner. J'espère que ça va pas entraver leur relation, quand même. Une bonne amie, bah c'est cool. Après, ils sont quand même frères et sœurs, donc ils devraient être mieux que ça. Papa, il est content, hein, il a joué... Il a joué. Qu'est-ce que je raconte? Si, oui, il a été à la convention geek. Et c'est parfait. Tu sais, tu vas faire un petit paysage. Bon, pour l'instant, je vais faire monter donc le divertissement. Bah, vous allez pouvoir arrêter là. Toi, tu vas pouvoir faire tes devoirs. Toi aussi. Hop. Nicolas, la même. C'est bizarre pourquoi ils ont leur devoir qui est genre... Ils viennent d'arriver et tout. Et tu vas faire tes devoirs aussi. Ah si! Ah bah si, ils peuvent faire leurs devoirs sur le petit bureau. Bah, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais en fait. Comme ça, ça libère un peu de place ici aussi. Voilà. Bon, bah tous les bureaux sont squattés. Pas forcément dans la bonne chambre, mais bon. C'est pas grave. C'est cool. Tout va bien pour le meilleur des mondes. Bah, ça termine ses devoirs. Alors, je leur ai tous fait un petit programme, en espérant que ça saute pas, parce que sinon ça va me gaver. Nicolas est de nouveau responsable. Et ça, c'est good. Eh ben si, il y en a une qui vient. Oh, ça m'énerve. Donc elle, j'avais dit qu'il lui manquait les manières et contrôle des émotions. Et du coup, en fait, je vais quasiment leur faire tous aller courir un coup. Pour que le contrôle des émotions... Mais... Allez, mais voyez comment que ça bug. Mais what? Oh non, mais ça m'agace. Hein. Non, ça marche pas en plus. Tu vas courir. On va te vider l'esprit. Elle est buggée, hein. Elle va là. Mais pourquoi ils vont tous là? Oui, donc du coup, ils vont un peu tous aller courir. Mais sérieux, il a quoi mon jeu aujourd'hui? Oh, c'est pas possible. Mais tiens, tu vas te courir pour te vider l'esprit. Je sais pas, c'est hallucinant là. Non, il y en a aucun qui est parti. Oh putain. Allez, on court, tout le monde court. Elle fait manière, machin. Oh là là. Tu peux réparer ça, s'il te plaît? Cécile, elle a acquis les bonnes manières. Lui, il a acquis les compétences fitness, putain. Alors, tu pourras y réparer ça aussi après. Bon, ils ont pas tous bugué. Parce que là... Hein, ça m'agace. Hein. Cécile, elle est vraiment bien. Il n'y a que la résolution de conflit. Hein. C'est fou, comme c'est vraiment le seul truc que j'arrive pas à mettre bien aussi, quoi. Tu peux essuyer, s'il te plaît. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire. Ils viennent tous se changer là. Et spécialement ici, c'est là, l'endroit où se changer. C'est normal. On ne dira rien. Tu veux courir pour te vider l'esprit aussi, tiens. Vas-y. Tout le monde va faire son petit footing. Hein, ça marche. Tout le monde gagne un petit peu en contrôle des émotions. Même ceux qui en ont pas envie, ils le font. Et toi, bien sûr, tu veux... Pardon. Oula, c'est qui celle-là, la biatch, là? Summer Holiday. Eh ben oui. Regardez-moi ça. Bon, elle est pas très très jojo, mais elle se la pète un peu. Tu vas me faire une petite douche tonifiante, Paul. C'est toi, je t'avais prévu de courir deux fois, mais... On est d'accord, il y a un bug. Ok. C'est pété. Mais c'est quoi ça? Mais Charlotte. Mais rien que pour ça, tu... Moi, pas à comprendre, là. Oh, la tête qu'elle a. Oh, la dégaine. Tu iras prendre une douche après.
Mais what? Nicolas. Nicolas, tu pourrais prendre une douche aussi, ouais. Nicolas, tu vas prendre... Toi, c'est ton lit ici, donc tu pourras dormir après. Il y a encore le téléphone qui vient. Non, on sort pas. Moi, je voulais chez le bordel. Mais je t'ai dit t'allais te laver. Oh là là. Elle a refait son truc. T'iras manger. Et t'iras dormir. Je sais plus où est ton lit. C'est celui-là. Donc t'iras dormir. Ok, tous les monstres sont de retour. Elle, elle doit aller. Tu vas pas demander conseil, va pisser. Je sais pas, fais quelque chose d'utile. Après, tu mangeras aussi. Oh là là, c'est Sims. C'est bien, tu peux s'enthousiasmer à propos de tes centres d'intérêt avec ton papa. T'en demander un coup de hanche. Amical. Discuter de la paix dans le monde. Aurélie. Ok, toi, mais mange-toi. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ça en suffit quand même, hein. C'est le bordel, hein. Toi. D'accord, elle va aller manger ça. Ok. Ils sont pas normaux ces Sims. Ça y est, toi tu te remets un peu, hein. Voilà, tu manges. Ah bah non, elle, finalement elle va aller manger. Elle est partie là-bas pour revenir là. C'est normal. Il en manque au bataillon. Elle est toujours en train de... Mais viens. Mais qui suis-je? On va augmenter... Ouais. Toi tu viens là. Tu vas aller aux toilettes. Je vais prendre une douche. Rapide. Est-ce que vous avez tous fait vos devoirs? Je vais faire du travail supplémentaire. Elle est encore un mal au point, donc on va la laisser rentrer. Toi, t'as besoin de communication. Bah, tu vas communiquer avec ceux qui sont là. Il y a encore un truc qui fuit. Non, non, c'était l'eau. John, je t'ai pas demandé d'être couché. Viens ici. Tu sais quoi? Tu vas remettre ton statut social à jour parce que il n'y a pas de raison. Hein. N'importe quelle heure, tu peux mettre à jour. Et alors, les fuminations, c'est fini. On le fera plus parce que ça nous avait fait tellement perdre de personnes que non. Paul, tu nous fais quoi? Paul, eh ben, tu vas aller dormir. Ouais. Je suis pas sûre, ton lit, c'était lequel? C'était celui-là? Bah, ce sera plus celui-là. Ce sera celui-là. Et donc, dormir. Hop, allez. Et il reste que Philippe. Tu vas réclamer ton lit. Et tu vas dormir aussi après. Il n'y a qu'une seule personne qui n'aura pas de lit attitré. Et je pense que c'est... Non mais ouais, ils sont tous faits. Travail supplémentaire. Travail supplémentaire. Travail supplémentaire. Ouais, en gros, ils ont quand même tous fait leur devoir. C'est le minimum requis, je pense. Ah, SOS pour un SMS. Augmente le contrôle des émotions. Il n'y a pas de résolution de conflit. Donc, on va augmenter le contrôle des émotions, ou les manières, ou l'empathie. On va augmenter l'empathie. Ok, bah c'est pas grave. Elle redeviendra bien élevée. Suffit qu'elle dise à son papa « Ouh, tu es beau, mon papa !» Éliminer la journée. Comment c'est passé? Voilà. Vous voyez, il ne suffit pas de grand-chose pour la faire. Papa, tu peux essuyer ça. Tu peux nettoyer ça. Et nettoyer ça aussi. Oh, je vous jure, c'est tellement dans tous les sens que moi je sais plus où donner de la tête. Toi tu manges. Mais après, ouais, t'iras te coucher.
Tous les garçons sont dans leur lit, donc tu prendras le lit qui reste. Toi, c'est bien, et tu iras après dormir aussi. Ah oui, mais alors non. C'est pas ton lit, toi, ça, cocotte. Hein. Bon, on va dire que tu vas dormir là, basta. Je connais ma bouche. Bon, nickel, comme ça, chacun a son petit lit placé où il faut. Papa, tu vas vendre la toile, s'il te plaît, quand tu voudras. T'es crevé. Tu vas être couché. Et puis, on fera la vaisselle un autre jour. Ou alors, non, on a besoin un peu d'argent, donc je vais le faire moi-même. Hop. On va acheter un petit coup d'œil. Elle n'a pas encore fait d'autres bébés, d'autres petites Lilith. Nous ne sommes pas encore une fois papa. Pour l'instant, nous n'avons que 8 enfants. Ça va, c'est pas mal. Et dans le prochain épisode, ben, John deviendra adulte. Aurélie, il ne reste plus que toi. Dépêche-toi de finir tes devoirs. Et puis après, dodo. Terminer son travail et caractère responsable. On est bien et c'est parfait. Et c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Hop, une petite assiette. N'hésitez surtout pas, bien sûr, à me laisser toujours des conseils si vous en avez pour le pack être parent. Surtout pour ce qui est de la résolution de conflits. C'est vraiment le truc que j'ai du mal à monter. Et je vois pas trop comment faire. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à me laisser donc un message. Ou à vous abonner pour voir la suite. Et je vous dis donc à très bientôt pour la suite des enfants ados parfaits ou d'autres choses. Allez, salut!